on arrive à obtenir une image après de très très longues séances de repérage et d'affût, et qu'on arrive à avoir l'image que l'on souhaite sans déranger l'espèce, c'est vraiment une satisfaction dans toute sa splendeur. Pour photographier les tétralyres, il faut mener sa petite enquête. Ça nécessite de monter en altitude un affût, un peu de camouflage et de quoi passer une nuit par des températures négatives. Qu'est-ce qui est bon dans la photo ou qu'est-ce qui est bon dans un film, c'est quand le film ou la photo fabrique des émotions. Il n'y a que ça. J'ai voulu communiquer un peu le plaisir et l'étrangeté, la magie des cerfs sauvages. Et lorsqu'on est à environ 200 mètres de la baleine, du cachalot, du dauphin, on stoppe notre zodiaque, on s'arrête et on finit l'approche en kayak.